Avec beaucoup de plaisir, me retrouve Zot dans nos dernières émissions, moi tu montres où qui m'a fait ses monstres. Maintenant, on va vous montrer une autre étape que nous désirons la banque plantule disponible dans le marché. Enfin, dans tout coin et coin, Maurice est capable de trouver. Et il n'est pas cher. Alors, banque plantule qui désire une certaine dimension, qui n'est pas pour prendre beaucoup de temps encore, qu'on peut mettre dans une bac, dans une préparation. Ça, c'est une jolie plantule bringelle qui est bien développée. Nous avons un bride blanc qui est une plante qui est bien facile à planter, et il grandit extrêmement vite, dans très peu de jours, peut-être dans 2-3 semaines, ou quand on a récolté. Ça, c'est une laitue roquette. Ça aussi, vous pouvez trouver qu'il y a une jolie plante qui est bien développée. Là, il peut prendre moins ce qu'il y a de mois, peut-être, pour les prêts. Alors, quand on le met dans le bac, dans le pot, dans moins qu'il y a de moins, on peut quand même récolter. Comment de bouger à nous l'espace? Il y a 4 plantes qui vont montrer, 4 variétés de plantes. Les différents l'espace, différents grandir quand ils grandissent. Quand nous tout connaissons, un bringel est assez bien grand. Nous pouvons quand même mettre 5 plantes dans un petit bac là. Alors, un bac comme ça, nous pouvons mettre une plante. Maintenant, je vais vous montrer comment on plante les. Nos préparations, on les a expliquées dans nos précédentes émissions. Nous avons un petit drainage, nous avons un mélange cocoresse, cocopit, compost, nous avons un compost et nous mélangeons la terre là-dedans. Il y a un bon mélange pour plante là, les bien aérée. Pour qu'une plante, si pour les pépusser, si ce mélange pas bien aéré, la plante n'a pas pour développer. Alors, c'est une jolie préparation que nous faisons. Un joli mélange qui nous fait pour nous la terre. Maintenant, nous vous plantez dans ce bac-là. Vous devez que moi, je suis bien content quand vous pouvez planter. Il y a beaucoup de monde qui est délicat, qui n'est pas content de mettre cela. Mais moi, c'est un contact l'ami directement avec la terre. C'est ça qui est très bien quand vous pouvez servir ou l'ami directement. Il ne faut pas qu'on peut manier ou la terre, ou pas servir les gants. Bon, moi, je ne vais pas faire des amis. Encore très important, il faudrait qu'on plante bien précis. Si la plante là, il peut bouger, il est capable, il finit sec. Mais pour les bien développer, les bien presser, il faudrait que la plante là, même la brise, il pas bouger. Maintenant, pour rappelez-vous, quand nous nous expliquer, mais je vais rappeler-vous, ça a la terre là, il est mélangé avec un petit peu de coco husk, nous avons un peu de compost et la terre. Nous bien mélanger et la terre là, la terre bien aérée. Maintenant, nous faisons un petit arrosage de plantes. Voilà. Brinzel, comme nous tout connaissons, brinzel content plein de soleil. Donc, on va mettre dans un coin quand il y a un peu de soleil dans la cour. Pour brinzel, un petit conseil qui est au bout de nous. Nous tout connaissons, brinzel, il y a un différents types de maladies. Maintenant, pour éviter de servir pesticides, il y a beaucoup de techniques que nous servons dans nos propres potagers. Il y a des ripelles, des moustiques, des insectes qui peuvent endommager les plantes et les aider. Un brinzel prend minimum 3 mois pour récolter au brinzel. C'est-à-dire, si vous vous occupez de plantes, vous pouvez donner soit arrosage, ce traitement qui est bizarre. Dans 3 mois, vous pouvez faire la première récolte, vous pouvez goûter le brinzel que vous plantez. Contrairement avec brinzel, maintenant, nous pouvons planter bret blanc. Et avec ça, l'espace, nous pouvons mettre une dizaine de plantes. Maintenant, quand nous finissons de planter nos bret blanc, dans cet espace-là. Toujours comme un point d'astuce, un bret blanc qui contient un petit peu de soleil. Vous pouvez mettre dans une place qui contient un petit peu de soleil. Après, et même conseil,
Et Brett Blanc qui a tiré beaucoup avec ben l'hypou blanc. On remarquait bien souvent quand on a un Brett en bas sur feuille, il est couleur blanc. Alors, quand c'est ça, tu as juste un petit javel et un petit crèche la cuisine dans le loup. Pour connaître le chou, il prend l'espace quand il fait grandir. Alors, dans la logique, un bac pareil, nous ne pouvons pas mettre 5 plantes là-dedans. Alors, maximum, nous pouvons mettre 2 plantes. Alors, nous rentrons dans des coins, nous pouvons mettre 2 plantes dans deux côtés. Maintenant, pour le chou, sous condition, l'espace que tu bien gardes, il pareil comme un brin blanc, bringel. Et ce traitement, il même à faire. Vous savez, même astuce qui vient de nous pour le chou. Pour terminer, nous vous montrer où mes plantes nous roquettes. Par exemple, dans l'espace, nous allons mettre une dizaine de plantes. Maintenant, nous allons mettre des plantes qui sont disponibles. Un petit conseil, roquette par exemple, il n'est pas besoin de grand soin comment le chou, le brinzel, il est pogné avec sa maladie là. Et il y a un seul problème qui est capable, où vous prendre beaucoup de précautions, c'est coupa. Alors, si vous le mettez en hauteur, pas pour avoir aucun problème, coupa, pas pour arriver à côté. Alors, vous trouvez l'espace en hauteur, c'est-à-dire où on finit et vite, problème coupa. Il y a différents types de plantes. Par exemple, il y a brinzel. Brinzel, si une plante est une plante brinzel, on rapporte dans 3 mois. Mais plante là, c'est durée. Tu peux garder les carreaux, vous pouvez garder jusqu'à même 1 an, 10 ans. Tout dépend de ce qui est un peu occupé. Mais le chou, une fois on couple, on finit. Bread aussi pareil. Mais certaines bread, quand on peut planter, on peut pas casser sur feuille ou sur plante, mauvaise plante, rester. Alors, on peut continuer à garder, ou occuper, ou de lire ce petit traitement, on peut garder. Mais il y a certaines plantes, once qu'on finit couplé, il finit. Ou, là, on peut gérer l'espace qu'il y a. L'espace qu'il y a, on a envie de garder les tues, de temps en temps, on peut avoir un bac derrière. Alors, c'est-à-dire qu'on a quelques bacs qu'on peut rapporter et quelques bacs qui peuvent grandir de temps en temps. Astéa, vous pouvez montrer où quelques astuces, quelques idées de décoration des bonnes plantes intérieures. Plantes intérieures, il y a différents types de plantes. Par exemple, une plante extérieure, il y a beaucoup de soleil. Quand nous mettons une plante intérieure, on besoin choisir une plante qui est adaptée avec très peu de lumière aussi. Maintenant, on a beaucoup de types de plantes qui, même dans l'espace bien sombre, on peut planter et planter les pour grandir, les pour rester, les pour développer et les pour sens d'atmosphère. On peut causer une plante intérieure. Bon, nous avons l'espace dans la case, nous avons une terrasse. Et même là, la chambre. Alors, nous mettons plantes d'après ça, l'espace que tu peux mettre là. De choisir un type de plante. Par exemple, il y a une plante qui vous peut mettre en hauteur. Ou une plante qui est en hauteur. Ou une plante à tomber, qui descend. Par exemple, si vous avez envie, mettre une plante orchidée. Il y a différents types d'orchidées. Il y a un dendrobium qui est très populaire. Il y a un phalaenopsis qui est très populaire. Maintenant,
le durée du temps qui en phalaenopsis d'exister, de car vivre, survivre avec ce fleur, si vous connoquez un phalaenopsis à l'intérieur de la maison pendant qu'il y a un fleur, vous pouvez garder même qu'à 6 mois. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. C'est qu'à 6 mois, un phalaenopsis capable de rester avec ce fleur. Un dendrobium qui nous fait l'expérience, un dendrobium est capable de rester pendant 3 mois avec ce fleur dans la maison, à l'intérieur. Même si il y a beaucoup de lumière, très peu de lumière, ce fleur peut durer pendant 3 mois. Bon, si vous n'avez pas connu qui plie, ce fleur peut tomber dans un mois même. Comme on explique, un phalaenopsis, ce fleur peut durer pendant 6 mois. Maintenant, quand ce fleur est fini, ça veut dire que vous pouvez mettre toute plante dans la poubelle. Sa plante-là est restée. Et dans la prochaine saison, par exemple, un phalaenopsis fleurit dans Maurice surtout, dans deux périodes de l'année. Alors, ça phalaenopsis, ça aurait regardé dans ces conditions, il y a un petit peu d'humidité, d'une certaine température, là, il pourrait fleurir. Il y a plein de plantes qui peuvent être là. Un dendrobium aussi, pareil. Quand ce fleur est fini, on remettait dans une condition mi-soleil, ou arrosé tous les jours. Quand il fleurit, on aurait fait pareil. Et maintenant, on a Pachyra. Bon, on fait expliquer le Pachyra aussi pareil. Pachyra, si au Congo, les plantes-là, elles durent des années et des années. Les plantes qui mourent. On a une plante qui s'appelle Zamia qui nous conseille du monde tout le temps de mettre à l'intérieur. Zamia nous plante dans un médium qui s'appelle peat moss. Après, nous, possiblement, nous avons ajouté un petit peu de terre. Alors, quand vous mettez une plante Zamia à l'intérieur, moi, je fais l'expérience. Si pendant 3 mois, dans peat moss, on quitte le pays, on est en voyage, on est retourné, ce Zamia pour. Pour rester as it is, comme il est. Il était quand il était parti. Il n'a pas besoin de grand arrosage, très peu de l'eau, ou Zamia pour là. Alors, c'est ça, quand nous mettons une plante intérieure, nous devons trouver un type de plante qui est comme ça. Maintenant, on a une plante grimpante. Nous avons mis dans un gros pôle. Un gros pôle, c'est un tuyau qui est enveloppé avec, avec coco, la paille coco. Nous avons mis à l'intérieur une plante comme ça aussi, pareil. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'attention, pas besoin de grand arrosage. Il y a une série de plantes qui peuvent mettre à l'intérieur. Raphis, qui était ça? Un zon. Dans Maurice, tout le monde ne connaît pas le zon. Il y a une plante, moi, je trouve ça dans Thaïlande, dans un pays l'Asie, en Chine. Je vais mettre une plante Raphis, c'est ça, zon. À l'intérieur d'un couloir, d'un hôtel, je l'ai trouvé. Une vigne à hauteur de 2-3 mètres. Plante-là, pas gagner la lumière du tout, que la lumière artificielle. Alors, plante-là, je suis à vivre. Alors, c'est une série de plantes, bon, c'est tout quelques plantes. Il y a une série de plantes d'intérieur que nous sommes capables de choisir.
Maintenant, pour mettre une plante dans l'espace qui où on vit, alors chaque plante a un type d'harmonie qui est amenée dans la maison. Par exemple, il y a certaines plantes où on vit mettre dans certaine hauteur, ou un petit meuble, ou quand même intégrer dans le meuble, comme on dit, installe une plante, quand on peut guetter, par exemple, un ficus irata. Il intègre dans le meuble en bois, quand on peut guetter, vous croyez artificiel, mais c'est la réalité. Alors, beaucoup de types de plantes qui nous permettent à l'intérieur. Si vous avez besoin de mettre une plante à l'intérieur. À l'intérieur, nous, quand nous mettons une plante y amène beaucoup d'harmonie. Y amène, par exemple, si on a un grand salon où vous ne trouvez que béton et vitre, mais quand on a une plante dans différents espaces, différentes conditions, mais qu'on peut assis dans le salon, il y amène beaucoup la paix d'esprit, harmonie, une essence d'environnement la même complètement. Pour terminer, conseil qui m'a voulu de nous, tout le temps, nous devons planter, nous devons vivre parmi l'espace, dans l'espace vert, parmi des plantes. C'est ça la nature. Et vous pensez, dans beaucoup de pays du monde, vous trouvez, qui peut mettre beaucoup l'emphase, même sur toi, à l'intérieur, le mur, à l'extérieur, quand vous pouvez guetter la case, il ne fait pas de provision. Pour qu'on mette une plante qui peut tomber. Alors, ça veut dire que nous devons suivre dans ce pas-là. Un conseil qui me donne Dimoun, plante, c'est il apporte la vie dans la nature. Il apporte beaucoup de choses, donne-nous la vie. Alors, nous devons planter, nous devons continuer à planter, continuer conseiller une génération qui va venir, qui plante, c'est la nature.